شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, notre topic, c'est la responsabilité des jeunes filles musulmanes dans la société. Donc qui nous responsabilité dans la société en tant que filles musulmanes? Donc première responsabilité qui nous est c'est responsabilité pour éduquer nous-mêmes. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Talabul ilm fa'idatan ala kulli muslim wa muslima ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce soit fille ou garçon, les besoins à la recherche de la connaissance. Donc, c'est un devoir pour nous à la recherche de la connaissance. Et qui ça apporte nous? Donc, nous pour être un catalyse positif dans la société et en même temps, ça peut enrichir nous la vie. Donc, notre deuxième responsabilité, c'est envers nous la famille. Donc, comme l'islam fait enseigner nous, donc si nous responsables envers nos familles, nous promouvoir une fondation harmonieuse pour la société. Et en troisième, nous avons nos responsabilités envers la communauté. Donc, comme nous disons, we give back to society. Et nous avons un hadith de Bukhari qui dit, whoever fulfills the needs of his brother, Allah will fulfill his needs. Donc, là, c'est un exemple parfait. Et comment nous pouvons faire ça? Travail-là, donc soit par volontariat, soit par un acte charitable ou tout simplement par la compassion envers les autres. Et en dernier, nous devons être une ambassadrice de l'islam. Donc nous devons être un modèle en tant que fille musulmane, un modèle pour l'islam et nous refléter un principe moral et éthique. Et ça peut aider à renforcer nos caractères et aussi rendre la société plus intègre et respectueuse. Donc, en gros, responsabilité à une jeune fille musulmane, les multiples à chaque étape de sa vie. Et comme dans Surah An-Nahl, Allah dit à nous, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, alors nous les ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes pour leurs actions. Donc, qui veut dire que nous avons une récompense qui vient à nous. Donc, ma sœur, nous encourageons d'autres pour venir de l'avant. Suivre l'exemple qui nous est dans l'islam, comme Khadija radiallahu anha, Aisha radiallahu anha, et même Marie, Bibi Mariam, qui est mentionnée dans le Coran. Donc, à nous travailler ensemble pour une société harmonieuse. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.